Voler. Voler, se déplacer dans l'air au moyen d'ailes. Exemple, les oiseaux volent dans le ciel. Voler, c'est prendre quelque chose qui est le bien d'autrui par la ruse ou par la force. Exemple, voler de l'argent. Lettre M, dent comme dent plume. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une plume. À quoi servent les plumes? Oui, maintenant, tout de suite. Il suffit seulement de me suivre. Oui, donc elles permettent aux oiseaux de voler et les protègent du froid et de l'humidité. L'homme s'en sert pour se protéger lui aussi du froid. Il en met dans les édredons, les oreillers et les doudounes. Je répète encore une fois. Donc, elles permettent aux oiseaux de voler et les protègent du froid et de l'humidité. L'homme s'en sert pour se protéger lui aussi du froid. Il en met dans les édredons, les oreillers et les doudounes. Vous voyez? On continue. Autrefois, les hommes s'en servaient. Pour écrire en les trempant dans de l'encre. Aujourd'hui, nous utilisons encore des stylos plumes. Dans le bout en métal est mouillé par de l'encre et mouillé par de l'encre. Lisez avec moi. I-N-U-M. I-N-U-M. M-I. Mi. M-I. Mi. Mi. Mu. Muni. Mi. Mu. Muni. 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 Un ouvrier est muni de ses outils. Muni, ça veut dire équipé. Donc, un ouvrier est muni de ses outils. C'est comme seulement comme exemple. Donc, un ouvrier est muni de ses outils. Maison, maman, marmite, modèle, mur, mot, montre, musique, minute. Donc, muni, ça veut dire équipé. Équipé. Au revoir, prochaine leçon.